La rentrée n'est pas facile pour tout le monde. Alors que la majorité des Français retournent au travail et que le temps devient de plus en plus maussade. Certaines célébrités sont prises d'un élan de nostalgie à l'image de Charlotte. L'ancienne candidate de Koh-Lanta, l'île des héros a passé des vacances de rêve en Tanzanie pendant le mois d'août. Même si le départ a été un peu compliqué, l'ex-aventurière n'a pas cessé de partager plusieurs photos de son voyage. Des moments de vie avec les habitants à sa rencontre avec la faune sauvage dans un parc national en passant par des séances de détente dans une eau cristalline, tout y est passé. De quoi faire rêver bon nombre de ses fans même si certains se sont permis de critiquer. Lors d'un post, elle n'a d'ailleurs pas hésité à remettre à leur place ceux qui ont jugé son physique. Toute bonne chose ayant une fin, il fallait reprendre le travail, ce qui déplaît fort à Charlotte. Elle a ainsi partagé un post sur son compte Instagram où elle promet de revenir sur l'île de Zanzibar où elle a passé des moments magiques. 1, 2, 3 « Je retournerai là-bas », écrit-elle en dessous d'une série de photos qui n'a pas manqué de faire réagir. L'ex-comparse de Tehura apparaît vêtue d'un maillot de bain de pièce au motif léopard. Assise sur des marches sur le premier cliché, elle pose ensuite debout de face et de dos offrant une vue imprenable sur son corps de rêve. Les commentaires élogieux n'ont pas tardé, saluant son très beau bronzage. Et Dieu créa la femme. Écrit l'un d'eux en référence au film avec Brigitte Bardot. Ma beauté, trop jolie. Tu es magnifique Charlotte, peut-on ainsi lire en dessous de la publication encore sublime Charlotte. Un rayon de soleil. Bronzage super chouette et apparemment merveilleux voyage, commente l'un d'entre eux. Outre ses clichés personnels, il est vrai que ces photos de vacances donnent envie de partir. Certains tentent même leur chance. La prochaine fois tu m'emmènes, écrit l'un de ses fans. Un autre essaie d'avoir son avis sur la nouvelle édition du jeu d'aventure phare de TF1, T'es pour qui dans la nouvelle saison des légendes. Des questions auxquelles Charlotte n'a pas encore répondu, la tête et le cœur probablement encore à Zanzibar.